Alors, bonjour à tous ceux qui regardent la rediff, qui sont sur YouTube du coup, et merci à tous ceux qui sont en lurk et qui sont dans le chat avec nous. Donc, on continue notre marché. Il y avait quelques couacs, donc, notre marché qui pour l'instant est en community space. D'accord. Ah, d'ailleurs, je vois qu'il me l'a mis active. C'est pas grave. Mais on continue cette construction. Donc la dernière fois, on avait fait tout le bas qui est dédié aux enfants. Et finalement, on a bien fait puisque en soi, c'est logique que le rez-de-chaussée soit un peu pour les enfants. Sauf que là, ils ont toutes les activités qui sont un peu pareilles que celles des adultes qui sont à l'étage. Donc l'idée, c'était que là, on fasse tous les trucs artistiques. Ici qu'on fasse bibliothèque, échecs, machin, tout ça. Et là, salle un peu, alors soit yoga et tout ce qui s'y rattache avec la danse. Ou mettre la danse ici avec les trucs de sport un petit peu par là. Et sinon, on aurait terminé un petit peu cette construction. Avec aussi les extérieurs à ce niveau-là, donc avec plein de stands. Où là, nous, on pourrait vendre aussi. Je pense que c'est possible. Hein. on a des toilettes et là, encore les espaces pour les enfants. J'espère que ça sera fonctionnel. D'ailleurs, je pense qu'on va se prendre un Sims. Une fois qu'on aura terminé pour... pour faire cette cabane. Comme ça, après, on pourra dupliquer. Parce que vous en pensez, je pense que c'était un bon plan. Donc on va continuer cet étage-là avec les trucs artistiques. Alors, je vais mettre tout dehors, comme d'hab. On va reprendre l'idée des chevalets comme j'avais fait. Ah oui, c'est vrai que j'avais mis la photo. En vrai, je sais pas si on fera la photo, mais... Alors, déjà... Je pense qu'on va laisser un sol comme ça. Mais on va peut-être le mettre plus foncé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et on va se mettre le petit tapis. Alors, je ne sais pas si vous voyez de quel tapis je parle. Mais avec les petits magazines. Comme ça, on pourra mettre au coin artistique. Au coin des artistes. Mais d'abord... Voilà, je vais dire d'abord on va pouvoir faire les fenêtres. Mais évidemment, le jeu veut pas que je les mette comme il faut. Parce que je parie que c'est à cause du banc. Ah ouais, c'est méga bizarre. Pourquoi il veut pas que... Est-ce qu'elles sont au même nom? Si. Attendez. Hop, est-ce que c'est par rapport à ça, c'est là? Alors là, ok. J'arrive pas en fait à visualiser. Ouais, je pense que c'est bon. C'est la même... Ouais, ça a l'air d'être le même. Le même... Au même niveau, je veux dire. Sinon, ça va me... me stresser, bien entendu. Ouais, bon, tout est au même niveau. Ok, parfait. Donc, je pense, étant donné qu'il y a la lumière à cet endroit-là, alors déjà, on va peut-être se refaire les lumières. Histoire de... donc là, il va falloir bien choisir. À ce niveau-là, mais je pense qu'on va mettre tout... tous les trucs artistiques là, donc ça ou l'autre statue, je pense que ce serait pas mal. Ce serait pas mal à ce niveau-là. Comme ça, on met les trucs artistiques, enfin la peinture par là. Là, on mettrait un autre truc artistique et là, d'autres trucs. Voilà, je pense que c'est pas mal. Pour en revenir à notre petite discussion de tout à l'heure... du coup, je sais pas, si jamais certains
qui nous ont rejoints ou d'autres qui regardent la rediff. Qu'est-ce que vous pensez de, parce que on sait ce qu'on se disait tout à l'heure, de du nouveau réseau, enfin nouveau, c'est plus si nouveau que ça maintenant, mais du nouveau réseau social Thread, donc le concurrent, le nouveau truc de Facebook, enfin pour Insta, le nouveau Twitter d'Insta. Est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes dessus? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, si vous, est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que c'est pertinent selon vous ou pas? Alors, est-ce que on en met deux? Ça, je m'en doutais que ça allait bugger un moment. Est-ce qu'on s'en met deux comme ça? Tac. Et on met plusieurs chevalets autour. Je pense qu'on va se faire ça. Qu'est-ce que vous, vous en pensez du coup de ce réseau social? Est-ce que vous, vous aimez bien dessus? Après, c'est vrai que j'avais regardé au niveau de ce que ça demandait en termes de... Je sais que ça a été beaucoup critiqué. Genre les demandes style autorisation, de sécurité, tout ça. Voilà, je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Parce que je vois que... Il y a quand même beaucoup de monde qui sont dessus. Donc je sais pas si ça changerait quelque chose ou pas. Je sais pas si si je devrais m'y mettre ou pas en vrai. Parce que j'ai peur en fait de ne pas poster là-dessus. Finalement. Et je me connais donc... Je me connais même beaucoup. En vrai, je sais pas. C'est vraiment, je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'on va pas mettre des nouveaux là. Je pense qu'on va mettre des vieux. Voilà, des chevalets un peu vieux. Voilà. Donc là, on se fait un beau petit coin. Et en vrai, je sais pas si ce réseau social-là, il t'aide vraiment pour... pour ton reach, tout ça. Je sais, en vrai, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment... si c'est vraiment utile. Parce que... Enfin, peut-être au début, c'était pertinent avec Insta par rapport à leur algo, mais est-ce que maintenant, ça l'est encore? Parce que ça fait un petit moment. Enfin, en Europe, ça fait pas si longtemps que ça, finalement. Il fallait qu'ils s'adaptent aux réglementations européennes. Évidemment. Et comme les GAFAM, ils ont jamais trop envie de s'adapter aux trucs européens. Mais... Ouais, en vrai, je sais pas. Ah oui, c'est vrai que je suis en truc Sims 3. Moi, je sais pas pourquoi la caméra des Sims 3, j'arrive pas à m'y faire. Tout le monde, je sais que tout le monde l'utilise. Mais je vais être très honnête avec vous. Tiens, est-ce qu'on ferait pas un petit truc comme ça? Hop, juste où il y a les... Juste là. Ah ouais, ça pourrait faire un beau contraste. Parce que moi, en fait, quand je jouais au Sims 3 et même Sims 2, je jouais au trackpad. Et il se trouve que du coup, avec la caméra, moi, j'arrivais pas trop, vous voyez? Parce que c'était assez compliqué, finalement. Ah, ça va empiéter sur ça.
Alors non. Ah chut. En fait, moi, j'arrivais pas au trackpad. C'était vachement difficile. C'était méga dur en vrai. Parce que bah, tu pouvais pas, enfin, je pouvais pas tourner comme je voulais et tout. J'avais pas de souris. Donc au trackpad, je n'ai pas eu le confort que tout le monde a eu en jouant finalement avec le trackpad. Donc c'est pour ça que finalement j'utilise très peu la caméra des Sims, des Sims 3. Ah, parce que en fait moi j'étais au trackpad, donc c'était méga dur. Genre je pouvais pas utiliser la caméra au maximum de sa capacité. Donc évidemment je n'ai pas connu entre guillemets bah, que tout le monde a connu quoi. Que tout le monde dit oui, la caméra elle était trop bien, tout ça. Ouais, bah écoutez, si vous le dites, parce que moi je sais pas du coup. Moi je sais que l'expérience a été pourrave de mon côté, parce que vraiment c'était galère en fait. C'était méga galère. Franchement, au trackpad c'était chaud, hein. Des fois, j'y repense, je me dis, punaise, c'était vraiment une galère sans nom. Ah ouais, non, ça irait pas, ça. C'est pas le type de plante qui irait. Mais vraiment, hein, c'était une galère de fou, quoi. J'étais pas vraiment, en plus... Je me rappelle toutes les heures que je jouais à l'époque. C'était le bon temps. Et même, j'avais pas ce souci au niveau du gameplay. Vous voyez qu'on peut avoir peut-être et qu'on peut retrouver avec... avec les Sims 4, parce que je trouve que c'était vachement complet même... sans avoir toutes les extensions. Alors, les ateliers bouger, on va peut-être les mettre là. Surtout que en fait moi il y en a un que j'adorais. C'était celui où on pouvait aller à Paris, tout ça. Punaise, c'était tellement cool, ça. J'avais trop kiffé. Mais vraiment, hein. Genre, vraiment, c'était... j'étais... en in love, quoi. Alors, on va peut-être se mettre le tableau, là. Donc, je vois par rapport au mur. Le tableau, à mon avis, sera pas... On pourra pas l'utiliser, mais ça va faire office de déco. Vous voyez? Ah oui, on n'a pas changé les murs. Alors, je me dis que là, on peut garder le blanc. Par contre, sur les autres murs, il faut un mur un peu sympa. Peut-être ça. Ouais, mais moi, j'avais pas connu... Enfin, j'adorais celui qui était où tu pouvais voyager. Je crois que même qu'il y avait des missions et tout, je me rappelle plus très bien. Mais je sais que j'avais adoré. Je m'éclatais. Un truc de fou. C'était... Oh, c'était si bien. Enfin, en général... Ils étaient assez... Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de gameplay. En plus, à l'époque, il y avait les voleurs. Oh, ça, c'était relou, par contre, un peu. Parce qu'il fallait toujours penser à bien mettre l'alarme et tout. On avait les téléphones fixes aussi au mur. Ouais, les voleurs, c'était quelque chose, hein.
Et toujours penser à mettre l'alarme, tout ça. Moi, souvent, j'oubliais. Donc, c'était un peu les galères, en fait. Mais, punaise, c'était méga drôle, en vrai. Hein. C'était méga bien. Là, on va dire que c'est atelier photographie. Donc, on va se mettre une petite table basse. Ça passe. Et on va se mettre des petits appareils photo. Tac. Ah, c'est chouette. Alors, attendez. Si je mets photo... Ah, j'ai pas mis le H. Donc, évidemment, ça n'a pas marché. Mais en soi, j'ai pas trop finalement de souvenirs de ces époques-là. Enfin, du moins de ces jeux-là, ce qui est quand même assez bizarre. C'est assez bizarre parce que j'ai très peu de souvenirs de ça. Alors que c'était quand même quelque chose, hein. On va se mettre les livres là, comme ça ils vont pouvoir les lire. Je sens qu'il y en a qui vont les ranger, mais... Voilà. peut-être que... Oh non, je sais. Ça, on va se l'enlever. Ah ouais, on aurait pu se mettre un truc comme ça. Ici, ça veut dire qu'on n'aurait pas la menuiserie. Ou alors, bah voilà, on met un comme ça et un comme ça. Voilà, on fait moite-moite. Ouais, parce qu'il faut se mettre un petit truc quand même. Tiens, voilà. Tac. Ah ouais, c'est sympa si on a un truc de photo. Hop, on va se mettre la marque là. Bon, il y a tout qui est dedans, mais ma foi... Voilà. Ouais, on a assez de place pour tout. C'est sympa. Ça, c'est cool. On a pas mal d'espace, là. Ils sont réunis dans un. Il faut juste mettre des tableaux sur les murs pour faire comprendre que ce sont les artistes qui les ont faits. Voilà, c'est... On est dans un truc artistique. Il faut juste trouver les bons tableaux. Voilà. C'est tout, mais... Ouais, j'aime bien. C'est sympa. Il y a plusieurs activités... on peut mixer un peu tous les styles. Tiens, ça, c'est des tableaux. Ces tableaux, je les trouve tellement cool. Hop, on va s'en mettre deux comme ça. Il y en a qui sont un peu abstraits. Voilà, ce sont les artistes qui les ont faits. Que celui-là, en vrai, tu peux tellement mixer. C'est les artistes qui les ont fait et qui les laissent finalement dans le studio. C'est cool, non? Je vais le mettre au même niveau que l'autre. Voilà. Ok, donc cette pièce-là est faite. Il y a toutes les activités. Normalement, les Sims peuvent passer. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est très chouette. Et puis là, la mise en scène, j'aime beaucoup. C'est pas mal. Hein, c'est original. C'est vachement original. J'ai peut-être changé la couleur des murs, par contre.
Ça, c'est un CC. Voilà, comme d'habitude. Je vais dire... Ouais, un ton comme ça, je pense que ça se mariera mieux. Voilà. Tac. Et là, bah, pour cette pièce-là, on est bon. Maintenant, go faire la bibliothèque. Alors, la bibliothèque, on va changer aussi le sol. On va se mettre bien foncé. Et les murs, en vrai, je sais pas comment on va se les mettre. Est-ce qu'on se met un petit truc comme ça? Je sais pas si on se met trop coloré. Genre marron comme ça, je pense que c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est pas mal. Alors maintenant, il va falloir mettre toutes les étagères. Alors, déjà, on va voir les couleurs qu'il y a. Ah, ça, c'est bien. Je verrais bien des trucs tout en bois. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est avec grandir ensemble. Donc on va se prendre le pack grandir ensemble. Eh oui, parce que là, c'est bien ce qui me semblait. J'ai un coin. Ah, ouais, comme ça, je peux mettre comme ça. Donc là, c'est en bois. Ok. Donc l'idée, c'est qu'on s'en mette partout. Que j'aurais dû rester en grandir ensemble. Ah, il y en a 100. Attendez. Comme ça, on va s'en mettre 100 aussi. Sans les bords, hein. Hop. Obviously, si ça marche, matche. Alors, tac, tac, tac. Là, il y a des trucs comme ça aussi, mais non, on va se prendre les comme ça. Tac. Alors, c'est là où on va faire la petite gymnastique parce que va falloir bien caler les fenêtres. Il va falloir que ça colle. Bon, au bout d'un moment, elles vont devoir être collées, mais... Voilà, ça serait un peu diversifié. Est-ce que j'aurais pu en mettre deux? Ouais, faudrait que ce soit comme ça. Ça va être très chaud, hein. Ouais, non, ça va trop rentrer. Va falloir couler comme ça. Et elle, on va bien la mettre ici. Alors, on va voir si je peux pas gratter sur les coins. Parce qu'autant sur un malentendu... Non, sur un malentendu, pas du tout. Ça ne passe pas. J'allais dire parce qu'autant sur un malentendu, on pourrait coller. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Là, par contre, sur un malentendu, on peut mettre... on peut carrément mettre tout ce qu'il faut.
Tac, et là, j'en mets une autre. Ouais, non, tant pis. Ok. Donc là, on aurait tout ça. Qui est pas mal, en vrai. Donc là, je pense qu'on peut se mettre la... la scène de débat. Par ici. On peut se mettre quelques petites chaises devant. Ah ouais, on va se mettre des chaises devant. Je viens de y penser. Ouais, on va se mettre des petites chaises. Genre, il peut y avoir des petites conférences à ce niveau-là. Ça pourrait être sympa. Tac. Et ici. Voilà. Alors ça, je vais le mettre comme ça. Comme ça. Hop. Ben, c'est pas mal comme ça. On va essayer de se prendre un grand tapis. Un très grand tapis. Alors je vais sortir de grandir ensemble. Pour délimiter en réalité cet espace. Voilà. Alors si je trouve un très grand tapis et un beau tapis, ça serait avec plaisir. Ça c'est un CC. En vrai ça pourrait être cool. Je vais voir si on a autre chose peut-être avec le jeu. Il me semble qu'on a des grands tapis, ouais comme ça. Comme ça c'est pas mal. Ah ouais, j'aime bien le ce bleu comme ça. Je trouve que ça fait pas mal ressortir. Sinon, il y avait le vert. Ah, comme ça, c'est pas mal. Là, on est dans les tons marron. Peut-être comme ça. Ou alors comme ça. Ouais, comme ça, peut-être. Ça fait très chaleureux. J'aime bien. Par contre, on va changer les... On va changer les luminaires. Là, comme on est dans une bibliothèque, on va peut-être se mettre ça. Voilà, alors là, l'idée, il y a peut-être des, vous voyez, des trucs comme ça qui vont virer. Parce qu'on va mettre des petites tables, enfin, des mini bureaux, en réalité, pour mettre ces trucs-là de recherche. Faut que je vois lesquels correspondraient le mieux. Un site bibliothèque. Sinon, on va prendre dans les tables de salle à manger. Faut trouver des tables qui correspondent, qui soient chouettes. C'est pas évident. Parce qu'il y a plein de tables qui font pas trop... bibliothèque, tout ça. Là, on pourrait peut-être se prendre une table double. Genre ça. Genre celle-là, attendez. Non. En fait, j'en veux une très très simple. Et qu'il n'y ait pas de truc au milieu pour faire comme un peu dans les bibliothèques, vous voyez. Mais je me dis, à la rigueur, celle-là, elle pourrait passer. Parce que elle a un style un peu particulier. Mais par contre...
On est d'accord que les pieds, là, c'est pas très pratique. Donc, il nous en faudrait une autre. Celle-là, c'est dommage. Elle a les... Sinon, il y a ça. Ouais, je pense qu'on va se prendre celle-là. Ah, mais elle est trop grande. J'ai rien dit. Ça va pas être trop grande. C'est dur de trouver des tables, là. Ah, bah voilà, celle-là. Tac. Quoique, j'aime pas trop ce bois-là. Bon, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres un peu design? Celle-là. Ouais, on va prendre celle-là. Tac. Ah, évidemment, ça marche pas avec celle-là. Si. Ah, voilà, ça marche. Ok. Juste dupliquer les trucs. Ma foi, c'est pas très grave. On va se prendre ça, voilà. On va se prendre ça. Donc là, il y a deux petits postes. Alors, c'est là où on va faire bien attention. On va se mettre des petits fauteuils. Alors, comme on est avec Grandir Ensemble... Ouais, je pense... Ça, c'est à bascule ou pas? Pas du tout. Ok, donc on va se prendre... des petits fauteuils comme ça et on va se mettre, vous voyez les trucs qu'on avait dit, la couture, tout ça ici sur les petites culottes de laine, tout ça. Hop, voilà, pour faire un petit truc chaleureux. Donc on peut faire les points de croix et les points de croix et comment ça s'appelle, c'est pas couture, mais j'ai un trou. Enfin, vous avez compris de quoi je parlais. Et je pense qu'on va mettre ces tables d'échecs là parce qu'elles sont vachement cool. Hop, on va se prendre ces chaises là, voilà. Donc ça, on va se le mettre ici. On va s'en mettre un autre là. Et hop, deux, trois petits fauteuils. Deux, trois petits fauteuils pour simuler. Voilà, c'est là que c'est là qu'on peut lire tranquillou. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Maintenant, je vais voir si au niveau des lampes, on peut peut-être s'en mettre dedans, là. Qui passe, qui serait sympa. Et juste dans les ronds, hein. Enfin, dans les carrés, pardon. Histoire de dire il se passe quelque chose par là. Voilà. Tac, on va se mettre des petites décos. Des petites décos. Ah, j'ai plus le son du jeu. Ça, c'est bien. Comme d'habitude. Les problèmes.
Je sais pas pourquoi j'ai plus le son du jeu. Mon casque est bien connecté. Là là, c'est Sims, hein. Ah ouais, il s'est mis en grand. Donc je suis sûre que... Je sais pas ce qu'il a fait. Je les ai plus. Oh, il a dû se déconnecter encore de mon casque. Casque a dû se déconnecter, voilà. Bon, je sais pas pourquoi ça s'est déco. C'est bon. Des fois, il fait des trucs comme ça, mon ordi, en mode random. Oh bah tiens, si je la déconnectais. Soyons fous, ça peut être rigolo. Et du coup, maintenant, j'ai le son qui est trop fort. Ah, voilà. On va se mettre une petite plante là. Peut-être une plante par là. Histoire de décorer un peu. Ça fasse pas trop vide. En vrai, on a vachement avancé. Enfin, on a avancé assez vite. Étage là. Non, j'aime pas ça. On a avancé vachement vite pour cet étage, je trouve. C'est pas mal du tout. Pas mal, pas mal. Ah tiens, non, on va peut-être mettre des trucs comme ça là. Et ça là. Voilà, c'est tout petit. C'est pas mal du tout. Est-ce qu'on en aurait pas en or? Non. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être se mettre des plantes tombantes. Des plantes tombantes. Je pense. Comme ça, ça ferait un peu de relief ici. Et ça ferait des belles photos. Voilà, si jamais il y a des conférences, des trucs comme ça. Je verrais bien une comme ça. Et après, en autre plante tombante. Et ça, en CC. Il me semblait... Ouais, il y a ça. Il me semblait qu'on en avait une autre dans ce style, mais... Non, j'ai rêvé. Ouais, c'est... C'est des CC que j'ai en fait. J'ai rêvé. Pas grave, on va prendre celle-là. Voilà. Et comme ça. Comme ça, on est bien. On est bien, on est bien. Ah! Le tapis, il sort dehors. J'avais pas vu. Ok, donc on peut juste le mettre ici. Là, sur cet espace-là. Là, je me disais, il y a un truc bizarre. Ouais, mais du coup, là, c'est bon. Ça reste cohérent. Cet étage a été terminé très rapidement. Hein. Là, il nous reste l'étage, en fait, à faire. Et je vais dire... nous avons terminé. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, les trucs comme ça, je vais les mettre de côté. Alors, étant donné que c'est une salle, hop, une salle de danse, on va changer le sol. Et on va mettre un sol plus adapté.
Est-ce que ça... Ouais, je pense qu'on va mettre un sol comme ça. Et au mur... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre au mur ? Un truc comme ça. Pas ouf en vrai, hein. Genre ça. Ah ouais, ça, ça pourrait être sympathique. Ça apporterait un peu de couleur. Donc on aurait une fenêtre ici. Voilà. On va essayer de se mettre des miroirs. Alors, généralement, dans ce type de salle, d'ailleurs, on va changer les spots encore une fois. Et je vais supprimer ici. Voilà. Généralement, on a des trucs comme ça. On a des grands miroirs. Voilà. Comme ça. On va essayer de s'en caser deux à chaque fois. Voilà. Histoire qu'on ait bien tout ce qu'il faut. Là. Parce que bon, le but, c'est que ce soit une salle sport, un peu... Enfin, voilà, comme on avait dit. De toute façon. Là. Bon, là, ça rentre un peu dans le mur, mais c'est pas très grave. Tac. Et voilà, on va s'en mettre un comme ça. Hop, à chaque fois, espacer. Là aussi. Et un petit au milieu. Histoire de dire bon, celui-là, on va essayer de se centrer comme ça et ce sera bon. Alors maintenant les luminaires, je pense qu'il faut des spots assez importants dans les salles de sport. Qu'est-ce qu'il y a comme truc? Est-ce qu'on se met des spots comme ça? Bon, on se remet ceux-là. Et en vrai, ils sont quand même pas mal. Je pense qu'on va se mettre ça. Tac. Oh, il m'a encore refait le bug. Punaise, c'est trop chiant. J'aime pas quand ça me fait ça. En plus, je sais pas comment le réduire. Si jamais quelqu'un sait, je veux bien. Parce que j'avoue, ça me... Ce truc m'irrite, en fait. C'est... espèce de bug là, je comprends pas bien en plus pourquoi ça fait ça tout le temps. Hop, alors dernier étage, donc il faut que j'aille voir là dedans. Il y a les petits tabourets comme ça aussi. En vrai, je pense qu'on pourra caser Je dis en vrai, je pense qu'on pourra tout caser, mais en soi, je pense pas. Je pense pas. Alors, on va se mettre un coussin ici. Oh, j'ai encore le truc qui s'est déconnecté. Punaise. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Oh là là, trop relou. Donc on va se mettre plein de petits poufs. Hop, comme ça en face.
On changera les couleurs après, hein. Et c'est juste pour imager. Voilà. Bon, là, je pense que ça suffit. Alors, je pense qu'on peut faire ce avec différentes couleurs. Ça peut être sympa. Ils sont beaux, bien sûr. Voilà. Et ici. Voilà. Donc, eux, ils suivent la prof. Le ou la prof, hein. Celui-là, je l'avais pas mis. Hop. Et hop, voilà. Donc là, ça fait un petit cercle par ici. On va se faire un autre cercle de ça par là. Tac. Ah, celui-là, faudrait que je le rapproche. Parce qu'il y a l'entrée. Alors, tac. On va s'en mettre un ici. Voilà. Un ici. Voilà. Voilà. Donc là, les élèves. Et voilà. Pourquoi il est grand comme ça? Ah, instructeur. Ah, ok. Ouais, donc ça, c'est celui de l'instructeur. Ok, punaise, je me dis, mais pourquoi c'est si grand? Vous comprenez pas? C'est chelou. Ouais, après on peut... Ah oui, c'est ok, d'accord, ouais. Je comprends mieux. On va s'en mettre un là. Ouais, en vrai... de yoga, voilà, faut les caser ici. Tac et tac. Faut les mettre comme ça. Donc il serait que trois à ce niveau-là. Voilà. Et tous les autres, ils seraient un peu plus. Il n'y a que celui-là qui serait grand. Est-ce que celui-là qui serait un peu plus petit, mais en soi, je pense que ça va. Par contre, le sol, je suis moins fan. Peut-être bleu. En vrai, je sais pas. Parce que je trouve que ça rend pas peut-être comme ça. On va laisser comme ça. Donc, on aurait cet espace-là comme ça, ici. Et bah là, on va avoir les espaces denses. Donc, on va se faire la même chose. Juste, on va changer la couleur. On va prendre la même chose et on va copier, hein, copier-coller. Tac. Voilà. Voilà, sachant que ça c'est plus petit. On va voir pour les machines comment on fait. Mais déjà pour les trucs de danse, je sais qu'on peut les mettre là. Et les deux passent à côté. Donc c'est parfait. À moins qu'on se fasse deux comme ça. Ouais, je pense que
Ah, je sais pas si les trucs de sport en vrai on les met ou pas. On va voir. On va voir suivant. Bah, suivant les miroirs, hein, en fait. Suivant les miroirs. Tac. Suivant comment ça va matcher ici. Voilà. Facile hein, à tout caler, mais bon, je pense que en soi, là, on a quand même une très belle salle. Ouais, non, je pense que là, on peut se mettre. Vous voyez les trucs pour courir. Tac. Face à la fenêtre. Voilà, ça me semble cohérent. Tac. Et là, on se mettrait tous les trucs de danse, quoi, finalement. Voilà. Donc, ce qui fait... On aurait deux trucs de danse comme ça. En vrai, c'est pas mal. Ou alors... Ouais, c'est dommage, je peux pas caler, mais... Non, un seul, ça suffit, là. Hop, parce que sinon, ça veut dire qu'il faut traverser... Oh, en vrai, je sais pas. Que ça, si je les mets comme ça, vous voyez, ça veut dire que les Sims doivent traverser. Donc, est-ce que c'est un bon plan ou pas? Sachant que s'il y a un cours de danse... Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va s'en mettre qu'un là. Comme ça. Ça, on... Hop. Ça, hop, on vire. Voilà, comme ça, il n'y a que ici. Où il y a le truc de danse. Ça me paraît pas mal. Et là, par contre... Hop, on s'enlève les trucs comme ça. Et on peut se mettre d'autres instruments de muscu. Donc, qu'on n'a pas mis. Enfin, ceux que j'ai supprimés, en fait. Alors, qui sont... Qui sont... c'était ça. Voilà. Voilà. Et on peut s'en mettre deux là. Et ça nous remplit bien la salle, ma foi. Ça nous remplit très bien la salle. Bah écoutez, voilà. Voilà pour l'étage. J'ai pas trop quoi ajouter pour le moment. Bon, je pense que je vais bien réfléchir. Et peut-être se mettre des bancs. Genre des banquettes. Hop. À se les mettre par là. On va voir si ça fait pas trop. Ouais, je pense ça. Comme ça. Ça peut être pas mal. Et la petite table ici. Tac. Ça peut être sympa. À l'étage, pour le moment, je sais pas quoi rajouter. Je pense que je vais réfléchir et on reviendra dessus. Nous, en attendant, on se fait de très gros bisous. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné pour cette soirée. Et on se redit à très vite.
Et écoutez, passez une bonne soirée et bon appétit à ceux qui vont manger. Bye!